clair. À vous l'honneur. C'est grâce à Allah, par sa volonté, de par sa miséricorde, qu'on est introduit au paradis. Elle est la maman de qui? Tu dis qu'elle est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc Marie est la maman de... Non. Voilà. Elle est Dieu, non? Elle est Dieu. Donc il pleurait alors? Il pleurait pourquoi? Non, j'ai pas dit pourquoi. C'est lui qui pleurait. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs musulmans et chers frères et sœurs non musulmans en attendant, j'ai commencé en disant à remercier Allah qui s'est choisi l'immortalité, c'est-à-dire lui il ne meurt pas, c'est ça. Parce que c'est lui qui a créé la mort. S'il est présenté comme l'unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dualité, il n'a pas de trinité, il n'a pas de pluralité. Après, il continue à se définir lui-même en disant Allahu Samad. Le mot As-Samad, c'est un terme polysémique qui a plusieurs sens et que le prophète lui-même a expliqué. Exactement. Les œuvres grandioses naissent dans le silence. Exactement. Et vous ne pouvez pas atteindre le monde entier par votre fortune. Non. Mais vous pouvez atteindre le monde entier par votre savoir-faire. Et savoir-vivre. Donc, comme vous me voyez, je suis votre frère, votre soeur, et je suis plus que cela. J'allais dire qu'on fasse passer les paniers. Normalement, je me suis arrêté. Parce que vous savez, ma femme, c'est une Ivoirienne de Tivo. Donc là, je suis en tant que beau frère. Elle s'appelle qu'on retrouve Traoré. Donc c'est une seule femme. C'est une seule femme. J'ai continué encore à tourner autour de la table. Une seule. Et il y a encore, j'ai pas ajouté encore trois autres Ivoiriens. Salam alaikum. Les gars, on l'accompagne, s'il vous plaît. Après moi. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Thank you.
le docteur Abdelmadid a bien voulu m'offrir l'honneur de procéder à la conversion de notre fils, notre frère. Et donc, de par cet honneur-là, nous allons nous adresser à notre fils pour dire que Allah dit ce qu'il veut, mais il laisse dans l'égarement qui il veut. Père, et celui à qui Allah veut du bien, il dilate son cœur pour lui permettre d'être appuyé. Ilaha illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Cela signifie, j'atteste qu'il n'y a point de Dieu, de divinité, digne d'être adoré, si ce n'est Allah seul. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est à lui que nous allons nous référer désormais. Vous avez bien compris? À partir de cet instant, aux yeux d'Allah, vous êtes nettoyé de tout péché qui vous lient à lui. Le musulman est soumis à la volonté de Dieu. Non. Jésus nous dit dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 34, non. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si la nourriture de Jésus non. est de se soumettre à lui, mm-hmm. c'est qu'il est une créature et c'est qu'il adore Dieu. C'est clair. Par exemple, non. je donne un autre passage. Allons-y. Lorsque nous allons voir dans Jean chapitre 4, verset 22, mm-hmm. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La question que je me pose, non. est-ce que notre Dieu Père connaît Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Mais quand même, vous allez parler. Ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan.